Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président du Kenya, William Ruto, est venu vendre la RDC aux États-Unis, exactement comme Nana Akufo-Addo était venu vendre, toujours aux États-Unis, le Burkina Faso. Je me pose maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont ces chefs d'État africains et notamment ces chefs d'État anglophones. Oui, il vient pour flatter de l'argent aux États-Unis. Nous comprenons ça, c'est tout à fait, c'est son droit le plus absolu, c'est un flatteur. Les mêmes États-Unis qui, dans leurs expériences scientifiques, sont allés stériliser plein toute une génération de femmes kenyanes. C'est leur président qui a oublié ça, qui a oublié cette histoire, qui vient aux États-Unis maintenant pour sacrifier la RDC. Pourquoi je dis ça? Eh bien, William Ruto est venu aux États-Unis. Vous savez que c'est lui qui a été mandaté pour aller envoyer ses troupes en Haïti pour aller faire l'œuvre de l'impérialisme, pour aller rétablir l'ordre pour les Américains, le chaos maîtrisé. Parce que vous le savez très bien, les Américains ont foutu le feu en Haïti, ils ont détruit complètement le pays, ils ont livré le pays à des gangs que eux, ils contrôlent, que seuls eux contrôlent, et maintenant, ils sont en train de remettre les choses pour qu'ils puissent avoir le contrôle. Vous savez très bien que le président haïtien qui avait été assassiné, le dernier d'ailleurs, Jovenel, c'était parce que monsieur avait pris des contacts avec la Russie parce qu'il voulait ouvrir un consulat russe en Haïti. Et ça, les Américains n'ont pas accepté ça. Ils l'ont, en tout cas, comme par proxy, comme d'habitude, ils l'ont liquidé. Et maintenant, après ça, ils ont fait démissionner le dernier Premier ministre, Ariel Henry, qui se trouve actuellement à Porto Rico. Et en ce moment, ils ont mis un collège qui doit organiser un collège présidentiel de 9 membres qui doit organiser les élections. Donc, à peine dans un an, 2 ans par là, avant février 2026. Voyez comment ces gens sont en train de faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient d'abord déjà enlevé l'armée haïtienne. Ils ont amené donc Ruto pour venir régler ses problèmes. Et bien entendu, il a une enveloppe. On lui donne un peu d'argent. Parce que lui, il ne peut pas travailler au Kenya. Lui, au lieu de travailler, de faire travailler ces gens, au lieu de créer des emplois chez lui, il préfère vivre de la manche. Mais comme la manche, il faut toujours apporter quelque chose. Un flatteur ne vient pas comme ça. Il vient avec des idées, il vient avec des pensées, il vient avec des paroles. Lui, ce qu'il a choisi, c'est la RDC. Entretien, il est venu, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il est venu pour régler le problème de la RDC avec Joe Biden. On l'a reçu en grande pompe, oh là là, pour la première fois. D'ailleurs, le Congo démocratique, Tshisekedi n'a jamais été reçu comme ça par la Maison Blanche. Jamais. C'est lui qu'on reçoit. Mais c'est lui qui, pour parler du Congo, il est venu exposer le Congo. Venir dire que le Congo, ça ne marche pas, la guerre ne marche pas, l'intervention militaire, ça ne marche pas, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une négociation, il faut qu'on fasse comme ça se passe d'habitude depuis 30 ans. C'est-à-dire que chaque fois que l'armée congolaise essaie de reprendre la main, il faut la décourager en imposant au gouvernement local des négociations qui vont permettre à ce que ceux qui, les rebelles, les terroristes qui sont là, qu'on les intègre dans l'armée, et puis ça donne le temps à Kagame de former un autre groupe de terroristes. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, surtout quand Kabila était là, Joseph Kabila bien entendu, qui est rwandais, là c'était le chaos, c'était le top. Chaque fois, il prenait donc des Rwandais, des terroristes, qu'on mettait dans l'armée.
Aujourd'hui, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, Tshisekedi hérite d'une armée où 60% des leaders de cette armée sont soit rwandais, soit congolais, corrompus, congolais, travaillant pour Kagame, comme on le voit avec Corneille Nangaa. Donc, si on part aux négociations, ça veut dire que Corneille Nangaa, on doit le prendre pour le mettre soit dans le gouvernement, ou bien on lui donne un grade de général, et puis il est maintenant général des armées. Mais Corneille Nangaa travaille pour qui? Pour les Américains, via Paul Kagame. Donc, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et c'est cette armée que Tshisekedi a héritée. Maintenant que, ces derniers temps, l'armée congolaise est en train de reprendre la main avec les patriotes ouazalénos. Ils sont en train de faire alors un travail fantastique. Ils ont pratiquement repris toute la région de Masisi. Maintenant, les hommes de Kagame sont en train de se faire massacrer au point où Kagame recrute des enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans dans l'armée de Kagame. Parmi ces terroristes-là, vous trouvez maintenant des enfants de 14 ans. Ça veut dire que Kagame n'a plus assez d'hommes pour envoyer sur le terrain. Et comme Kagame travaille avec le Kenya et l'Ouganda, le Kenya qui a été invité à la Maison Blanche pour aller servir le colon en Haïti, vient expliquer à Joe Biden pour que Joe Biden puisse peser de tout son influence sur le Congo démocratique afin que Tshisekedi aille encore négocier. Et il attend une enveloppe. Tout son entretien. Ce n'était même pas Haïti. Alors qu'il est venu, il a 1000 soldats déjà en Haïti. 1000. Il n'a aucun soldat en RDC. En tout cas officiellement. Ils étaient là dans le cadre de l'EAC, ça a échoué. Mais alors, ça a échoué lamentablement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il parle que du Congo. Il ne parle pas d'Haïti. Vous voyez comment c'est les chefs d'État africains, les Africains sont stupides. Ce William Ruto, c'est un traître de haut niveau. Qu'est-ce que le Congo vient faire dans une affaire qui concerne les États-Unis, le Kenya et Haïti? À quoi ça sert le dossier du Congo? Regardez maintenant les conséquences. Dès qu'il arrive, il a commencé à faire plaider pour le Congo au lieu de plaider pour Haïti. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, c'est Blinken. Le fameux Blinken. L'autre malade comment vous appelez ça, du secrétariat d'État. Parce qu'ils sont tous devenus fous. Il appelle Tshisekedi pour dire à Tshisekedi, bon, écoute, il faut négocier pour décourager l'armée congolaise. Pour demander à Tshisekedi de rappeler son armée, de respecter un cessez-le-feu et puis de commencer à négocier parce que l'armée congolaise est sur le point de prendre Rubaya. Avec les fameux Ouazalendo, nos frères patriotes, ils sont prêts. Rubaya, actuellement, au moment où je vous parle, est encerclé. Ne soyez pas surpris d'apprendre que Rubaya est tombé. Et Rubaya, c'est la capitale du coltan. Eux, ils ont choisi d'aller traiter avec Kagame. Ils n'ont qu'à continuer avec Kagame. J'espère que cette fois-ci, le président Tshisekedi ne va pas reculer. Nous lui demandons de prendre ses responsabilités. S'il ne peut pas prendre ses responsabilités, qu'il démissionne. L'armée congolaise est sur le point de prendre Rubaya et après, on se lance vers les autres villes qui sont encore occupées. Notamment Bunagana. Nous attendons. Bunagana est sur la ligne de mire. Et si on prend Bunagana, c'est fini. Les Rwandais sont neutralisés au Congo. Et maintenant, on va voir que fera encore Corneille Nangaa. Nous n'avons plus besoin de ces négociations qui ont permis à ce que l'armée congolaise puisse être infiltrée, que l'administration congolaise puisse être infiltrée. Maintenant, nous voulons
que le Congo puisse reprendre ses responsabilités et que la paix se rétablisse. Donc, William Ruto, vous vous souvenez de l'histoire de Nana Akufo? Il est venu aux États-Unis. Il vient aux États-Unis, il dit, vous savez, le Burkina Faso a fait venir Wagner, qui est en train d'exploiter l'or à la frontière avec le Ghana. Il cherchait 2 milliards. On ne lui a pas donné les 2 milliards. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? 3 mois plus tard, le Ghana était en cessation de paiement. Comme quoi, Dieu fait notre palabre. 3 mois plus tard, le Ghana était en cessation de paiement. Les autorités ghanéennes sont été obligées de venir demander des excuses. Ils avaient fait ça parce qu'ils avaient besoin de 2 milliards de dollars. Ruto est en train de faire ça parce qu'il a besoin de l'argent. Le Kenya est en cessation de paiement. Le Kenya est en difficulté économique grave. C'est pour ça que William Ruto vient, il croit qu'il va vendre le Congo pour relancer son économie. Joe Biden sait. Quand vous suivez bien cette conférence de presse, vous allez voir que Joe Biden n'a rien dit sur le Congo. Joe Biden n'a pas dit un seul mot. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut, veut pas être aussi ridicule. Puisque William Ruto était hors sujet. William Ruto est venu, ce n'est pas pour régler le problème du Congo. Parce que le problème du Congo, William Ruto et ses alliés de l'EAC ont échoué. Ils ont été chassés, je dis bien chassés au Congo. Ils sont venus avec leur armée, ils ont été chassés. Donc, il ne peut plus venir parler sur un sujet que lui ne maîtrise pas. Là où eux, ils ont échoué. Il est venu pour Haïti. Mais il vient vendre le Congo. Ça ne se passera plus comme ça en Afrique. Vous avez vu, comme je venais de vous dire tout à l'heure, avec le Burkina, c'était comme ça. Nana Akufo-Addo a échoué. La Banque mondiale ne lui avait rien donné. Les États-Unis n'ont pas soutenu le financement. Il est reparti la tête entre les cuisses. Pareil pour William Ruto. Il va repartir la tête entre les cuisses. Qu'il s'occupe de son pays à lui, que les Américains ont stérilisé les femmes. Toute une génération de femmes a été stérilisée au Ghana et plutôt au Kenya par les États-Unis. Ça, William Ruto a oublié ça. Non, ça suffit avec ce genre de comportement. L'Afrique n'est pas à vendre. Et les États-Unis, le problème c'est que les États-Unis eux-mêmes, ils sont en difficulté. Il y a la Chine qui est en train de taper du poing sur la table. Ils n'ont qu'à s'occuper de la Chine au lieu de s'occuper de l'Afrique. Ils ont déjà tellement appauvri le continent africain, maintenant ça suffit. Monsieur William Ruto, repartez chez vous, avec peut-être Haïti dans la poche, mais pas avec le Congo démocratique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba Kolerve, Yamalembe, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.